c'est plus facile avec ça. Donc ça, je pense que ça libère complètement l'instrument. Ça libère aussi le timbre. Tout ce qu'il y a dans l'instrument à l'origine est magnifié. Voilà. Et ça, je pense que ça vient de la forme qui a été très très étudiée. C'est la forme du pavillon, donc qui s'inspire beaucoup de ce qu'on faisait il y a très 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 longtemps. La forme du barillet aussi. Et puis, bon, naturellement, on a retravaillé les perces. Tout d'abord, c'est la forme de l'ancien pavillon qui existait il y a 30, 40 ans, j'ai vu fait. Quand on faisait les instruments, c'est le pavillon avait cette forme-là. Donc on a repris ça, on s'est aperçu que ça apportait déjà quelque chose en plus. Ensuite, on a appliqué à ce pavillon quelque chose qu'on avait appris pendant la conception d'un modèle qui s'appelait l'édite. C'est-à-dire qu'on lui a fait un plat. Un plat, ça c'est extrêmement important. On avait constaté déjà que ça apportait beaucoup de facilité, entre autres, et de développement. La perce intérieure, qu'on joue une ERC, une Festival, une ERC Prestige, même une Divine, par exemple, ça ne va faire qu'améliorer, ça va développer. Donc c'est une perce à l'intérieur qui est faite pour s'adapter à tous ces instruments-là. On a diminué énormément les viroles au pavillon et au baril aussi. Moins il y a de métal, moins ça empêche le bois de vibrer. C'est ça qui est important. Donc l'ensemble de ces choses-là, de ces modifications, de ces constatations, ça fait quelque chose qui améliore grandement chaque instrument, chaque gamme.